quand ce sont des jeux peu inclusifs qui sont proposés par les joueurs ou joueuses eux-mêmes, je préfère leur proposer de faire des équipes au hasard. Avant, je faisais des équipes en mettant autant de filles que de garçons dans chaque équipe de manière volontaire, parce que je me disais que c'était plus équitable comme ça. Maintenant, je le fais plus parce que je me dis que ça entretient des préjugés sexistes, alors que même si c'est vrai qu'il y a des différences globalement dues à la socialisation, je préfère proposer des jeux qui sont plus inclusifs, ça veut dire où les joueurs font appel à plus de compétences différentes, par exemple la communication, la stratégie individuelle ou collective. Ça permet aux joueurs et aux joueuses d'adopter des postures qui leur conviennent, sans se sentir nul dans le jeu, sans désengager du jeu. Quand ce sont des jeux peu inclusifs qui sont proposés par les joueurs ou joueuses eux-mêmes, je préfère leur proposer de faire des équipes au hasard. Comme ça, ça évite de faire des équipes avec des capitaines, où il y a les préjugés grand-petit, filles, garçons qui reviennent.